Jésus est merveilleux. Et c'est un. Jean chapitre 4, à partir du 3e verset jusqu'au 8e. Jean chapitre 4, 3 à 8. Lèvons-nous pour la prière solennelle d'ouverture et la lecture solennelle du livre. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te disons merci parce que tu es le roi. Seigneur, grâce à toi que ton peuple est encore réuni en ces lieux, en ces moments, Père de gloire. Père traçant, laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit glorifié, laisse que ton nom soit béni parce que tu es notre Dieu. Nous sommes, Père de gloire, ton peuple. Nous sommes, éternel Dieu, désormais les fruits de ton amour. Seigneur, qu'il te plaise d'être ensemble avec nous et, Seigneur, de nous accompagner vers la réussite. Père céleste, étends ta main puissante au-dessus de nous. Que les anges du ciel, Père de gloire, soient ensemble avec nous. Que le Saint-Esprit de Dieu opère maintenant des choses extraordinaires. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous avons prié. Amen. Jean chapitre 4, à partir du 3e jusqu'au 8e verset. Jean chapitre 4, à partir du 3e verset jusqu'au 8e, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Le 8e verset, « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui vit au siècle des siècles? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui vit à jamais? Gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus est bon. Jésus est tellement merveilleux. Jésus est en train de réaliser des choses extraordinaires dans nos vies. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix. Que tu élèves, éternel Dieu, bien-aimé, ta voix. Pour élever ce Dieu, pour élever celui qui vit au siècle des siècles, pour élever celui qui vit en éternité, pour élever celui qui vit à jamais, pour élever, bien-aimé, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné le souffle, grâce à ce Dieu que nous sommes comptés parmi les vivants. Grâce à ce Dieu que nous sommes là, bien-aimés, en ces moments. Grâce à ce Dieu que nous sommes en bonne santé. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Élevons le nom de celui qui paie tout. Élevons le nom de celui qui vit à jamais. Prions le Seigneur. Dis merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin à ses enfants. Il renouvelle sa bonté chaque matin à ses enfants. Un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Dieu redoutable. Un Dieu imbattable, un Dieu incontournable, un Dieu irrésistible, un Dieu. Tu es bon. Na
Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te célébrons, tendre Père. Seigneur, nous te donnons beaucoup de place dans nos vies. Nous te donnons beaucoup de place dans nos cœurs, Seigneur. Nos vies, Seigneur, t'appartiennent. C'est toi, notre Papa. C'est toi l'amour de nos vies, Seigneur. Batouba koki kobo ya biso. Batouba koki kobo ya biso. Batouba koki kosundu la biso. Batouba koki koina biso. Batouba koki kolongo la biso pene na bango. Mais kolo, yo koki atano kolomo kote kolongo la biso. On peut attendre que le bon côté comme un abisso. Quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos erreurs, Seigneur, tu es toujours là auprès de nous. Tu compatis avec nous, Seigneur. Tu compatis avec nous, Seigneur. Ta bonté dans nos vies est inépuisable. Ta miséricorde dans nos vies dira jamais. Sois béni. Sois élevé, toi qui vis au siècle des siècles. Sois élevé, toi qui vis à jamais. Seigneur, nous te donnons beaucoup de place dans nos cœurs. Nous te donnons beaucoup de place dans nos cœurs. Nous te donnons beaucoup de place dans nos cœurs. Nous te donnons beaucoup de place dans nos cœurs. Reçois la louange. Reçois la magnificence. Seigneur, nous t'aimons éternel Dieu des armées. Tu es l'amour de nos vies. Tu es l'amour de nos vies. Tu es l'amour de nos vies. Sans toi, ma vie n'a pas d'essence. 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 Tu représentes, Seigneur, pour nous l'espoir. Tu le présentes pour nous, Seigneur. Il est confiance incommensurable. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois béni. Sois loué. Sois loué. Sois loué, le roi du ciel. Sois loué, le Père de tous les hommes. Sois loué, le Père de tous les hommes. Sois loué, le Père de tous les hommes. Seigneur, qui nous dit, je dirai comme David. Je dirai comme David. Mangez les âmes, Seigneur. D'habiter ta maison tous les jours de ma vie, Seigneur, pour contempler ton temple et moi qui et admirer, Seigneur, ta présence, admirer, Seigneur, ta divinité, admirer, Seigneur, ta bonté, admirer, Seigneur, ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur. Nous te levons, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Tu es bon, Seigneur. 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 Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, sois élevé. Oh Seigneur, sois glorifié. Oh Seigneur, sois élevé. Oh Seigneur, sois glorifié. Oh Seigneur, sois exalté. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Oh Sabrandaraba. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Père de vie. Tu es la source de vie. Tu es l'eau qui ne tarit jamais. Tu es l'eau qui ne tarit jamais. Tu es l'eau qui ne tarit jamais.
Seigneur. Sois béni, sois élevé. Sois glorifié, sois exalté. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Pour conduire tes enfants. Seigneur, merci. Écoutez, bien-aimés. Un jour, les apôtres vont surprendre des hommes qui parlaient de la part de Jésus. Et l'apôtre, les apôtres, pas tout ni pas question. Il dit, vous parlez de la part de Jésus, c'est bien. Mais de quel baptême êtes-vous baptisé? Ces gens ont répondu, du baptême des gens. Les apôtres ont dit oui, c'est bien. Mais le baptême des gens sert seulement pour la repentance. Mais avez-vous de gens entendu parler du Saint-Esprit? Ces gens ont dit non. Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance de la transformation. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance qui agit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance qui se manifeste. Amen. Bien-aimé, cet après-midi, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. La puissance de la transformation. La puissance et la gloire de Dieu se manifestera à nous. Amen. La puissance et le miracle de Dieu se produira. Amen. Nous devons être maintenant remplis du Saint-Esprit. Amen. Prie le Seigneur Jésus. Dis Père Céleste, remplis-moi de ton esprit. Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Jésus. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Jésus. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous ne perdons pas de vie que tu es souverain. Tu es l'ami fidèle, le vrai paraclétos. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens à ce moment. Viens à ce moment. Commence à opérer des choses à nous. Commence à opérer des choses à nous. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens cher Saint-Esprit de Dieu. Viens cher Saint-Esprit de Dieu. Car nous avons compris que ta présence à nous, que ta présence à nous, c'est le symbole, le signe de la gloire, du succès et de la réussite. Ta présence à nous, c'est la grandeur. Nous avons besoin de toi. Nous avons compris, conformément aux Saintes Écritures, que ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, est indispensable pour nous. Ta présence est indispensable pour nous. Seigneur, sur cette terre des hommes, il n'y a pas des hommes indispensables. Mais toi, Seigneur, dans nos vies, tu es indispensable. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, ô cher Saint-Esprit de Dieu, si tu es là, si tu es là, si tu es là, si tu es là, nos cœurs seront remplis de joie, nos cœurs seront remplis d'allégresse, nos cœurs seront remplis d'assurance, nos vies seront remplies d'assurance. Au nom de Jésus, c'est toi qui nous montres le chemin, c'est toi qui nous montres le chemin, c'est toi notre guide et clairvoyant, c'est toi notre lumière, c'est toi Seigneur notre intelligence, c'est toi la sagesse de nos vies. Manifeste-toi, manifeste-toi, induis nos têtes, induis nos têtes, induis nos têtes, induis nos têtes, et que nos coupes débordent. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, viens, cher Saint-Esprit de Dieu, descends ces moments, descends ces moments, descends ces moments, descends ces moments, salut, remarquez-le, Sabrada, même le maître a dit, il est avantageux
voulez que moi je m'en aille. Quand je vous enverrai le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes les choses. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Viens parmi nous. Viens parmi nous. Viens parmi nous. Viens parmi nous. Remplis mon âme intérieure. Remplis mon âme intérieure. Unons de nos cœurs. Unons de nos cœurs. Unons de nos cœurs. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Montrez-nous des choses cachées. Montrez-nous des choses cachées. Des choses qu'on n'a jamais vues. Au nom de Jésus, manifeste-toi. 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 Au nom de Jésus. Nous te implorons, Jésus. Écoutez. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Car quiconque croit à lui ne mérite, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc le Fils de l'homme est venu pour donner la vie à ceux-là qui sont morts. Le Fils de l'homme est venu, bien-aimé, pour ressusciter les morts. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Yes. Que la mort, oh, s'éloigne loin de toi. Amen. Que la mort financière, yes, la mort matérielle, yes, et l'ombre moussika, et que la vie de Jésus-Christ redonne encore la vie, yes, financière dans ta vie, la vie matérielle dans ta vie. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. La Bible dit, car quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais qui est la vie? Et cette vie en éternité. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Seigneur, donne la vie à ma. Donne la vie, Seigneur. Donne la vie, Seigneur, à mes affaires. Donne la vie à mon travail. Donne la vie à mes activités. Donne la vie à mes projets. Donne la vie à mon foyer. Donne la vie à mon commerce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la mort financière s'éloigne loin de moi, que la mort matérielle s'éloigne loin de moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur, redonnez la vie, redonnez la vie, redonnez la vie, redonnez la vie, redonnez la vie à mes projets, Seigneur. Finance Nangaï, y'a foyer Nangaï Koufa, Et la Mouka, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Finance Alimota Nangaï Koufa, Et la Mouka. Moussala est moins produit sa cassoute. Et que l'on va être koufa. Et la mouka. Comment ça m'a fou ta calissou soute. Et que l'on va être koufa. Et la mouka. Et la mouka. Namidia Lelo. Tamba Balliance. Tamba Mial. Tamba Tata Nabiso. C'est cuissant. Oh non, c'est Koufaki. Oh non, c'est Koufaki. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Oh, à ma qualité de son serviteur. C'est lui qui nous a appelés au ministère. Sous l'onction de mon Père. Oh non, c'est Koufaki. Et c'est quoi na komo na Yesu. Comment soit Koufaki? Moussalo est Koufaki. Oh, et bota kalisu soute. Et c'est quoi na combo na Yesu? Finance ali bota ne banda kozoa vie. Finance sa vie na ye banda kozoa vie. Finance a moussala ne banda kozoa vie. Na combo na Yesu. Na combo na Yesu. Oh, toi mort financière.
toi la mort financière, je t'en donne, je t'en donne, je t'en donne, je t'en donne de libérer le peuple de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au sabre d'Arababababouche. Le d'Arababababababouche. Imabro sandaria babababababa. Emabra sandare babrouche. Emabra sandare babrouche. Emabra sandare babrouche. Le d'Arema sandare babrouche. Écoutez bien, aimé. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce livre de Jean 4. Amen. C'est le 8e verset. Et le 3e. Le 3e, la Bible dit, alors il quitta la Judée. Et retourna en Galilée. Et le 8e, la Bible dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Amen. Amen. Je me pose les questions. Beaucoup de questions alors. Mais Jésus n'avait pas une société, une entreprise. Mais là où Jésus prenait tout cet argent pour faire des voyages, abandonne son roi. Amen. Amen. Même ses disciples là ne travaillaient pas, parce qu'il a même empêché Pierre de ne plus aller faire la pêche et de le suivre. Et Pierre aussi a abandonné la pêche et il a suivi Jésus. Amen. Maintenant, dans le 8e verset, la Bible dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Pour acheter des vivres. Pas pour aller prendre. Amen. Amen. Jésus n'a pas opéré un miracle pour que Bakke nous soit biloko. Non. La Bible dit, ils étaient allés à la ville pour acheter les vivres. Ça veut dire que Bamema Gimbongo na maboko pour Bakke sope. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Maintenant, d'où provenait cet argent que les disciples possédaient pour aller acheter les vivres? D'où provenait cet argent? Yes. C'était par miracle. Et maintenant, où t'as l'icône de quoi? Jésus le faisait sortir miraculeusement à travers ses poches ou dans son porte-monnaie. Moi, je crois que c'est non. Amen. Amen. Parce qu'un jour, on va poser la question au Seigneur Jésus s'il faut réellement payer l'impôt. Jésus va donner cette réponse en disant, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus lui-même reconnaissait que avant de posséder quelque chose, il faut avoir l'argent pour acheter. Yes. Jésus lui-même savait que il faut payer l'impôt. Et on ne paye pas l'impôt par un miracle. On paye l'impôt, il faut donner l'argent. Amen. Amen. Ça veut dire, même les ministères de Jésus reconnaissaient que il faut avoir les moyens pour l'évangélisation. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Même les ministères de Jésus reconnaissait qu'il faut avoir l'argent pour l'évangélisation. Amen. Tous ces voyages que Jésus effectuait par-ci, par-là, et pendant que c'est un moyen financier. Amen. Amen. Parce qu'avec les 12, il faut balia, il faut payer. Basomba, et pendant que c'est un pembo. Alors Jésus avait des partenaires. Amen. Amen. Qui soutenaient la vision de Jésus. Amen. Qui soutenait l'évangélisation de Jésus financière. Amen. 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 Lui qui était Dieu. Et lui qui est Dieu.
Amen. Amen. Mais il s'est fait chair. Il a pris la forme de l'homme. Et Jésus a accepté de vivre comme tout le monde. Amen. Amen. Et en respectant aussi la loi de la nature. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. En respectant aussi la loi de la nature, pour posséder quelque chose qui ne t'appartienne pas, il faut l'acheter. Yes. Et pour acheter, il faut avoir l'argent. Amen. Amen. Et Jésus aussi avait ses partenaires. Je vais vous donner seulement un exemple. Joseph d'Arimathée. Amen. Ah. C'est lui qui a fait que Bakunda Yesu na cimetière yaba riche. Amen. Amen. C'est à cause de Joseph d'Arimathée. Est-ce qu'il y a un Joseph d'Arimathée ici? Amen. Joseph d'Arimathée n'a pas accepté que le salut, que la gloire, que la divinité et que ne gouverne à côté mon gona ba pauvre. Amen. Amen. Il s'est décidé de prendre le corps de Jésus parce que c'était le corps du maître. Il faut que ne kundam na tombo ya ba riche. Moi je sais que aujourd'hui toi qui es là, si Dieu te bénit, si Dieu te donne beaucoup d'argent, tu n'accepteras jamais que l'évangélisation est kouya. Amen. Tu n'accepteras jamais que ton église est yokasoni. Amen. Tu n'accepteras jamais que ton pasteur a yokasoni. Amen. 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 Comme tu es là, tu aimes Dieu, tu aimes l'évangélisation, tu aimes ton église, Dieu doit te bénir financièrement. Amen. Il faut que Dieu nous bénisse financièrement. Amen. Parce que nous avons besoin de soutenir l'œuvre d'évangélisation. Amen. Nous avons besoin d'être des partenaires. Yes. Amen. 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 L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Amen. Amen. Si aujourd'hui Dieu nous donne beaucoup de moyens, si aujourd'hui Dieu suscite des partenaires comme de Joseph d'Arimathée, comme de Marie de Magdala, ici, bien aimé, il y aura des choses qui vont se passer. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Sous l'onction de mon Père, que tu sois un Joseph d'Arimathée. Amen. Pour son église. Amen. Que tu sois un Joseph d'Arimathée pour son église. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Recevez la richesse financière. Reçois. Recevez la richesse matérielle. Reçois. Au nom de Jésus. Amen. Prie maintenant. Dis Seigneur, fais de moi un Joseph d'Arimathée. Alléluia. Fais de moi une Marie de Magdala. Je vais être partenaire, Seigneur, de ton église. Je vais être partenaire, Seigneur, de l'évangélisation. Je vais être partenaire de la bonne nouvelle. Donnez-moi beaucoup de moyens. Donnez-moi l'argent, Seigneur. Donnez-moi les matériels. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Yo moyenge beni, tamayenge beni vanso. Yo mo bulami, tamabulami vanso. Na pesa yo nini, yo te kolo. La personne qui donne-nous les moyens, le corps, les conditions de ton œuvre, pour les conditions de la personne qui est en connaissance. Donne-nous, Seigneur, le moyen de mon amour, le Seigneur, la parole de mon ami, la personne qui est en connaissance. La personne qui est en Jésus. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne les moyens. Que le Seigneur te donne l'argent. Seigneur, fais de moi un Joseph d'Arimathée. Fais de moi une Marie de Magdala.
au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, bénis-moi, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Donnez-moi, Seigneur, la richesse financière. Donnez-moi, Seigneur, la richesse financière. Il y a quelque chose qui se passe dans la Bible. Je suis dans deux rois, le chapitre 4, à partir du premier verset. Cette histoire, bien nommée, quand je le lis, ça me pousse à se poser beaucoup de questions. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Ah. Amen. Amen. C'est la femme d'un prophète qui est tenté de crier à Élisée. Il dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Mais il est mort. Ce prophète est mort en laissant des dettes. Et le créancier est venu pour dire à sa femme, parce que vous n'avez pas les moyens de payer ma dette, je vais prendre vos enfants. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut faire très attention. La pauvreté est une maladie. Amen. 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 La pauvreté est une maladie. Amen. Comment un prophète de Dieu peut mourir en laissant des dettes? Amen. Amen. Jusqu'au point que même cette pauvreté l'a dit à moi. La femme incapable de payer la dette. Et puis, les créanciers, nous colombons voyez le bilo quoi bon bon au foot à tête, n'agons soit binobana. Si le ministère de Jésus reconnaît, pour l'évangélisation, il faut avoir les moyens. Bien aimé, il ne faut jamais aimer la pauvreté. Amen. Ne dis pas que bisoto samba la cannabiso. Bisoto banga cannabiso ndambe. Oui. C'est bien. Très bien alors. Mais l'argent c'est important. Amen. C'est important, bien-aimé. Nous sommes limités dans beaucoup de choses parce qu'il nous manque l'argent. Yes. Nous sommes limités dans beaucoup de choses, bien-aimé, parce qu'il nous manque les moyens financiers. Amen. Il nous manque les moyens financiers, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes beaucoup limités. Amen. Bien-aimé, si on avait beaucoup de moyens, même
dévotion oyo ngere sala na dimension exacte. Amen. Amen. Parce que il y a rien qui nous manque en matière spirituelle. Amen. On a la prière. Yes. On a la connaissance de la parole de Dieu. Yes. On a l'onction. Amen. Mais ce qui nous manque, c'est l'argent. Yes. Alors, bien-aimé, lève-toi. Dis, Seigneur, j'haïs la pauvreté. Je chasse la pauvreté dans ma vie. Seigneur, que la pauvreté s'éloigne loin de moi. Yes. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Prie avec décision. Prie avec décision. Prie avec décision. Oh, comment un prophète de Dieu peut mourir et puis laisser ses dettes? Laisser les dettes. Laisser sa femme et son, ses enfants à la pauvreté. Chasse la pauvreté dans ta vie. Chasse-les. Chasse-les. Chasse la pauvreté. Bendana mona kombo na Yesu. 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 Que la pauvreté s'éloigne loin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse la pauvreté. Chassez-le, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Banako boya moti na ba adene na yo. 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 Écoutez, j'aime une femme dans la Bible. Cette femme s'appelle la femme des Tsunamites. La Bible l'appelle la femme des distinctions. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi la Bible l'appelait femme des distinctions. C'était par rapport à sa vision. Cette femme savait lire les temps. Amen. Cette femme savait comment attirer l'onction, attirer les miracles, attirer la bénédiction. Amen. Amen. La Bible dit, malgré tout ce que cette femme possédait, elle était stérile. Mais chaque jour, le prophète Élisée passait près de sa maison. Alléluia. Et la femme, il appelait les prophètes pour venir manger. Mais elle s'est décidée en disant à son mari, cela ne suffit pas. Nous devons construire une chambre, mais que cette chambre soit une chambre haute. Amen. Amen. Et nous allons mettre un lit, une chaise et une table. Pour que quand les prophètes Ayaka Asse reposaka et puis Akenda. Amen. Amen. Il a pris sa maison. Il a fait de sa maison le demeure de la divinité. Yes. Amen. Amen. Il a pris sa maison. Il a fait de sa maison le demeure de la divinité. Amen.
Cette femme savait comment créer les miracles. Yes. Amen, amen. Amen. Et les prophètes de Dieu, voyant tout ce que la femme a dit, a fait, à comment Luca, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme? Amen. Amen. Il appela la femme. Il dit à la femme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Amen. Yes. Il y en a une étape pour ce qu'on atteindre la divinité. Divinité est bande à Koluka, ni niveau ça la pona. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des actes quand tu poses à la divinité. Divinité bande à Koluka, ni niveau ça la salapona, yo pour récompenser. Amen. Yes. Amen. Amen. Et bande à Koluka récompense nini. Te repèse à moi si yo. Pour oya salé le kimine. Amen. As-tu déjà posé un acte qui a bougé le trône de Dieu dans ta vie? Je te conseille aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, cherche à poser un acte. Yes. Je ne sais pas. Que ça soit spirituel, que ça soit matériel, que ça soit financier. Fais-le. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Je dis ceci. Cherche à poser un acte qui va bouger le ciel. Amen. Cette femme a bougé le ciel. Parce que le prophète Élisée représentait toute une divinité. Amen. Divinité comme Luca, Nini, Koto Salana, moi, si oui. Ma pengue, ma comment poser ma question. Est-ce qu'il faut tomber sa roi? Amen. Amen. Alors la femme avait un problème de stérilité. Écoutez la réponse de la divinité à cette même époque, l'année prochaine. Aïe aïe aïe, ça ne va plus tarder. Et on a bilo comme sous ce ben d'akali pamboli ya pembeni. Amen. Et on a ba acte mon sous ce ben d'akali pamboli ya pembeni. Amen. Et on a ba acte mon sous ce ben d'aka promesse pour ça na pembeni. Amen. Le prophète n'a pas dit dans 2 ans. Il n'a pas dit dans 3 ans. Il n'a pas dit dans 4 ans. Il n'a pas dit kenzamba kosala. Il a dit à cette même époque. Pourquoi il a dit l'année prochaine? Parce que c'est mes salaires neuf. Yes. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Ah. Mais quand il côté qu'à l'époque, on a. Quand à un moment on a né, fécondité et s'opéraki. Amen. Ce n'est pas à cause de son nom que cette femme a mis au monde. C'est lui qui a donné l'enfant. Amen. C'est le prophète. Amen. C'est la divinité. Yes. C'est la. Je vais dire à quelqu'un, l'acte que tu vas poser, ça ne sera pas à cause de ton travail. Ça ne sera pas à cause de ton commerce. Alléluia. Ça ne sera pas à cause de ton mari. Alléluia. Ça ne sera pas à cause de tes projets ou de tes activités. Mais c'est l'alliance de Christ. C'est la puissance du ciel. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Cherche à partir d'aujourd'hui. Poser un acte. Je dis. Exalata spirituel. Exalata matériel. Exalata financier. Poser acte. Où est qu'on n'y sa trône? Amen. Yes. Pendant plusieurs années, cette femme stérile. Mais ce jour-là, la prophétie a dit ceci à cette même époque, l'année prochaine. Tu auras pas un enfant, mais un fils. Yes. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le prophète a parlé d'un fils. Hein?
Un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Amen. Amen. Le fils Aza o abota makate. Mais le fils Aza un don oba pesaka. Un don provenant de Dieu lui-même. Un don provenant du Père. Et quand le Fils vient, c'est pour sauver. C'est pour changer des situations. C'est pour changer l'histoire. Je vais dire à quelqu'un, à cause de ces 30 jours, à cause de ce mois de richesse, à cause de cet acte que tu vas poser, le Dieu de la Bible, le Dieu d'alliance, le Dieu de mon Père, te donnera un fils. Qui changera ta situation. Amen. Moi non d'ailleurs que changer histoire à moi si yo. Allons-moi stérile à comme fécond. Allons-moi stérile à comme féconde. Allons-moi stérile à comme féconde. Bah tu vas d'accord kaka. Moi si mais bah comme kobenge mamana. Amen, amen. Amen, amen, amen. L'histoire a changé. L'histoire a changé. Ce n'est pas le nom qui a changé, mais c'est l'identité. Amen. Le Fils vient pour changer l'identité. J'aime encore l'attitude de cette femme. Même quand le Fils est décédé, Abimi, il a rencontré son mari. Mon père l'a tenu au cœur. Il dit, je vais aller chez les prophètes. L'homme lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il va dire à son mari, tout va bien. Amen. Amen. Tout va bien. Et le réseau soli pamboli, parce que tu doutes trop. Parce que tu doutes trop. La femme, elle savait que ce n'est pas le mari qui m'a donné cet enfant. Ses fils, c'est les prophètes. Ma kambo est aliété, est alingana prophète. Je dois retourner à la source. Amen, amen, amen. Tu veux avoir la richesse, retourne à la source. Amen. Maman Meli, source est pambolayo. Kaka yango source est tombolayo. Amen. Si tu reconnais que ta source c'est Christ, même quand ça ne marche pas, ne cherchez pas les prophètes. Ne cherchez pas les marabouts. Ne cherchez pas les féticheurs. Retourne à la source. Amen. Parce que oye pesakio, ils sont capables à couper son collègue. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Jésus. C'est Dieu qui nous a accompagnés. Jésus. C'est Dieu qui a réalisé des choses extraordinaires. Alléluia. C'est Dieu qui nous a bénis. Alléluia. C'est Dieu qui nous a visités. Qu'il soit élevé. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit exalté. Alléluia. Je prie mon Dieu. Que mon Dieu, le Dieu de mon Père, bénisse pour tous nos amis qui nous suivent en direct. Vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Afrique d'ici, dans Angola. Partout où vous êtes, en Asie, que le Dieu de mon Père, le docteur évangéliste Evelyn Jones, que le Dieu d'Alliance, le Dieu d'Amial, vous bénisse abondamment. Amen. N'oubliez pas de partager les liens. Que Dieu vous accompagne. Soyez fortement bénis. Soyez fortement bénis. Soyez fortement bénis. Amen. Soyez fortement bénis. Amen. Recevez de nous aujourd'hui la Amen. Bénédiction céleste. Amen. Recevez de cette onction qui a coulé dans ces lieux. Amen. La bénédiction de Dieu. Amen. Retournez en paix. Retournez en paix. Amen. Que la paix de Dieu
qui surpasse soit votre partage. Amen. Soit éclairé. Amen. Sois éclairé. Amen. Que la lumière de Dieu éclaire. Amen. Vos maisons, vos enfants, vos maris, vos femmes, vos frères et sœurs, vos projets, vos activités. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Acclamons. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui...